De venir annoncer la précieuse parole de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un ce soir. La chose la plus importante de l'homme sur la terre. C'est la destination finale de son âme. Le corps que nous avons. Le corps que nous entretenons. Sa destination finale, c'est le tombeau. Mais l'âme qui est à l'intérieur de nous. Même dans le jargon des hommes. On dit souvent selon ce langage. Il a rendu l'âme à Dieu. Donc l'âme ne reste pas dans le tombeau. L'âme ne reste pas figée dans une tombe. Mais l'âme a une autre demeure. Et ce soir, nous voulons interpeller. La quasi-totalité des personnes qui sont réunies ici. Sur la destination finale de leur âme. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Avant d'aller à un concert. Il faut prendre un ticket. Avant d'aller spirituel. Les réalités qui sont spirituelles. Avant de monter dans un taxi. Avant de monter dans un bus. Il faut avoir quelque chose. Qui te donne l'autorisation. D'entrer dans ce véhicule. Avant d'aller à l'aéroport. Et de dire je vais en France. Il faut prendre. La ferme résolution. D'avoir d'abord son passeport. Ensuite son billet d'avion. Et tous les papiers nécessaires. Avant de pouvoir voyager. Si tel est ainsi. Dans la pensée des hommes. Il en est aussi. Dans la pensée lui-même de Dieu. Parce que ce qui est sur la terre. Ce que nous voyons au quotidien. Ce que nous voyons de façon naturelle. Dieu se sert de ces choses. Pour enseigner. Pour annoncer. Des choses spirituelles. Avant de dire. Je vais au paradis. Avant de dire. Que mon âme. Va retourner à Jésus. Je te pose une question. Est-ce que tu as le ticket? Est-ce que tu as la carte? Est-ce que tu as les moyens nécessaires? Est-ce que les conditions sont remplies? Afin que tu puisses entrer. Parce que entrer au paradis. Ce n'est pas entrer dans une boîte de nuit. Entrer au paradis. Ce n'est pas entrer dans un taxi. Frère. Entrer au paradis. Ça demande d'avoir des conditions. À remplir des conditions. Est-ce que tu as les documents nécessaires? Homme de Dieu, regardons même les hommes. Parlez simplement en France. On te demande d'avoir 2 millions sur le compte. Les papiers, au complet. Tous les documents nécessaires. Simplement franchir le sol de la France. La France qui se trouve sur ce continent. Tout simplement franchir le seuil. Le terrain de la France. On te demande des documents. Les administrations. Sont légalisées. Sont régies par des règles. Sont régies par des codes. Bien aimé. Toi aussi en tant qu'homme. Tu regardes ces genres de choses. La première question à se poser. Si dans le langage des hommes. Si dans l'attitude des hommes. Vous simplement aller en France. Au Canada. On te demande des papiers. Bien aimé. Dieu t'enseigne au travers de ces choses. Pour aller aussi au ciel. Dieu va te demander le ticket. Dieu va te demander les papiers. Si les papiers ne sont pas au complet. Tu n'entreras pas. Tu ne peux pas entrer au ciel. Les papiers ne sont pas au complet. Tu ne peux pas entrer au ciel. Bien aimé.
Bien-aimé, voilà pourquoi nous devons vous dire, nous voulons tous te dire ce soir, quelles sont les conditions qu'un être humain doit respecter si t'es allé au paradis, si t'es allé au paradis, parce que si tu n'as pas rempli ces conditions, quelle que soit ta nature, quel que soit ton rang social, quel que soit ton salaire, quel que soit tes avantages, quel que soit tes privilèges, quelle que soit ta race, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ton ethnie, tu ne pourras pas entrer là-bas. Bien-aimé, quand nous parlons du ciel, nous parlons de la demeure du Dieu tout-puissant. Et le Dieu que nous connaissons. Parce que dit Dieu, c'est très vague. Il y a beaucoup de dieux. Chacun a son Dieu. Alléluia. Et moi, je vais te présenter mon Dieu. Le Dieu véritable. Le Dieu que moi je connais. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu que je sers. Pour lequel j'ai attrapé le micro. Pour lequel je me tiens ce soir. Bien-aimé, faut pas te fâcher. Dans la vie, là, chacun choisit son chemin. On te dit la vérité. Faut pas te fâcher. Le Dieu que moi je connais. Le Dieu qui a créé la terre. Le Dieu que nous on connaît. Ce que Ouattara connaît, lui qui a arrêté devant toi. C'est que moi je connais. C'est Jésus-Christ. Je ne connais aucun autre Dieu. On ne connaît aucun autre Dieu. Donc dans tout mon langage. Dans mon discours. Je ne vais parler d'aucun Dieu. Je ne vais pas parler d'un autre Dieu. Le seul Dieu. Donc je connais le nom. C'est Jésus-Christ. Pour aller chez Jésus. Il faut avoir les conditions. Les papiers bien remplis. Parce que si tes papiers ne sont pas au complet, tu ne peux pas entrer au ciel. Tu ne pourras pas entrer au ciel. Même si tu veux. Sois enfant de pasteur. Enfant de bishop. Révérend pasteur. Archi-évêque. Sois mon seigneur. Sois vicaire. Sois pape. Si tu ne remplis pas ces conditions. Jésus va te jeter dehors. Jésus va te jeter dehors. Regarde ce monde-ci. Regarde un peu. Le monde a eu un début. Le monde aura une fin. Je te donne un exemple. Tu te réveilles ce matin à 6h. Aujourd'hui nous sommes à 18h. À l'instant même nous sommes à 18h. Et la journée va s'achever. Bien-aimé. Tout ce qui est un début. A forcément une fin. Si ce monde a commencé. Le monde va s'achever un jour. Un jour. Les disciples de Jésus. Lui ont posé la question. Concernant cette question-là. Cette question de fin du monde. Dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 1. Les disciples ont posé la question à Jésus. Maître, Rabbi. Quel sera le signe De ton avènement. Et de la fin du monde. Bien-aimé. Quand tu écoutes la question, tu as pensé qu'on parle de même réalité. On parle de deux réalités qui sont différentes. Je repose encore la question. Ils ont dit à Jésus. Maître. Quel sera le signe De ton avènement d'abord. Et de la fin du monde ensuite. Avant qu'il y ait la fin du monde. Il y aura l'avènement de Jésus. Après cela. On assistera à la fin du monde. Bien-aimé. Qu'est-ce que l'avènement de Jésus? Dans le livre de 1 Thessaloniciens. À partir du chapitre 4. L'apôtre Paul. Exhortait ses frères. Ses frères dans la foi. Il dit concernant l'avènement du Seigneur. Le Seigneur Jésus. Viendra comme un voleur. Où personne ne s'y attend. Et il viendra enlever son église. C'est ça l'avènement de Jésus. Jésus viendra. Il restera dans les airs. Et l'église. Va monter à sa rencontre. Les vivants premièrement. Et les morts en Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc ceux qui vont monter. Il y a deux catégories. Il y a des personnes qui seront vivantes. Le jour de l'avènement du Seigneur. Le jour de l'avènement du Seigneur. Et il y a des personnes
qui seront déjà mortes. Il y a des personnes qui seront déjà mortes. Mais que tu sois vivant. Que tu sois mort. La Bible dit. Ceux qui étaient morts. Qui sont ressuscités. Et montés le jour de l'enlèvement. Ce sont les morts en Christ. Ils n'ont pas dit les morts à quelqu'un d'autre. On dit les morts en Christ. Ouvrez le rouleau du livre. Allez-y prendre la Bible. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 17. Vous allez faire la lecture parce que je ne vais pas parler en fait. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 17. On va lire. Allô? Alléluia. Amen. Il est un peu occupé. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 17. Il dit la réaction, quoi. Verset 17. Alléluia. Voilà. Il va commencer à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Lisons. Il est lu au nom de Jésus. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Au sujet de ceux qui tombent. Afin que vous ne vous affligez pas. Comme les autres. Ils n'ont point d'espérance. Verset 14, nous sommes. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Et avec lui, ceux qui sont morts. Verset 15. Voici. En effet. Ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous n'allons pas dévancer que ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même. A un signal donné. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qui va ressusciter? Les morts en Christ. Donc si tu n'es pas en Christ, le ciel n'est pas pour toi. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pause. Souvent quand on parle, ça fait un peu très mal. Mais je ne vais pas choquer quelqu'un. Je ne vais pas blesser quelqu'un. Quand on écrivait ce livre-là. Moi je n'étais pas encore né. Quand les apôtres. Étaient en train d'écrire. Cette portion de l'écriture. Je n'existais pas encore. Mais l'écriture dit. À un signal donné. À la voix d'un archange. Au son de la dernière trompette. Le Seigneur Jésus-Christ. Descendra du ciel. Et la mort en Christ. Ça veut dire que si tu meurs. Sans Jésus-Christ. L'enlèvement n'est pas pour toi. L'avènement du Seigneur. Ne te concerne pas. Mon frère. Pendant que tu es vivant. La première condition. Que tu dois remplir. Pour espérer aller au ciel. Ce n'est pas moi qui te le dis. Mais c'est la Bible que nous venons de lire. C'est la parole de Dieu qui te le dit.
je te l'ai dit. La première condition. La première condition, c'est de mourir en Christ. C'est de mourir en Christ. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Avoir Jésus-Christ. Avoir Jésus-Christ. Comme Seigneur. Comme Seigneur. Comme Dieu. Comme Dieu. Comme Rédempteur. Comme Rédempteur. Comme Sauveur. Comme Sauveur. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. J'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Tu as dit que tu vas être païen. Tu as dit que tu vas être païen. À cause des grosses pierres. À cause des grosses pierres. À cause de Golgotha. À cause de Golgotha. Quand on te parle de Jésus. Quand on te parle de Jésus. Tu repousses. Tu repousses. Tu rejettes. Tu rejettes. Tu rejettes. Tu rejettes. Tu rejettes. Tu rejettes. Parce que tu pousses ton oreille. Parce que tu pousses ton oreille. Pour ne pas entendre la parole de Jésus. Pour ne pas entendre la parole de Jésus. À cause des forces de femmes. Il veut marcher avec Jésus. Parce qu'ici il veut marcher avec Jésus. Il va laisser le beau baba là. Il va laisser le beau baba là. Il regarde fesses de femmes. Il regarde fesses de femmes. Il regarde Jésus. Il regarde les fesses de femmes. Il y a sa foule là. Il y a sa foule là. Je ne peux pas laisser beau baba. Je ne peux pas laisser fesses de femmes. Allez sur Jésus. Allez sur Jésus. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. À cause d'avoir plusieurs copines. À cause d'avoir plusieurs copines. Il regarde les matrimons. Il regarde les matrimons. Les Aïcha. Les Aïcha. Les Awa. Les Awa. Les Thérèse. Les Thérèse. Les Sonia. Les Sonia. Il regarde tout ça. Il regarde tout ça. Et il regarde Jésus. Il regarde Jésus. Il sait que s'il veut marcher avec Jésus. Il sait que s'il veut marcher avec Jésus. Il va laisser son coup là. Il va laisser le coup égal. Moi, il dit non. Il dit non. Moi, je ne veux pas Jésus. Moi, je ne veux pas Jésus. Je préfère mourir dans l'hôtel. Je préfère mourir dans l'hôtel. Je préfère mourir dans face de femme. Je préfère mourir dans face de femme. Frère. Frère. Si tu es mort dans face de femme. Tu es mort dans face de femme. Et tu as refusé Jésus. Et tu as refusé Jésus. Direct en enfer. C'est direct en enfer. Il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas d'embouteillage dans ça. À cause de l'autocadien. À cause de l'autocadien. Beaucoup refusent de servir. Jésus. Beaucoup refusent de servir Jésus. Parce qu'il sait que s'il marche avec Jésus. Parce qu'il sait que s'il marche avec Jésus. Il va prendre caisse de l'autre gagné là. Il va prendre caisse de l'autre gagné là. Il va jeter. Il va jeter. Parce que Jésus n'est pas dans les jeux à ça. 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 Il regarde les caisses de l'auto. Il regarde les caisses de l'auto. Il regarde ses tickets de l'auto. Il regarde ticket de l'auto. Son ticket doit gagner 200 000 ans. Son ticket doit gagner 200 000. Son ticket doit gagner 300 000 ans. Son ticket doit gagner 300 000. Il a placé un touchant. Il a placé un touchant. Il attend le résultat. À 16 heures. Il attend le résultat à 16h. On lui parle de Jésus. On lui parle de Jésus. Il dit pas là-bas. Oh. Il dit pas là-bas. On te parle de l'argent. On te parle de l'argent. Toi, tu me parles de Jésus. Toi, tu me parles de Jésus. Toi, tu meurs dans l'auto. Toi, tu meurs dans l'auto. Bête cliquant. Bête cliquant. One is bête. One is bête. Béni. Béni. J'ai des chevals. J'ai des chevals. Tous les jeux à ça. Tous les jeux à ça. Si tu meurs dedans. Si tu meurs dedans. Sans connaître Jésus. Sans connaître Jésus. Tu ne feras pas le ciel. Tu ne peux pas avoir le ciel. Tu ne peux pas avoir le ciel. Tu ne peux pas avoir le ciel. J'aimerais parler ce soir à quelqu'un. J'aimerais parler ce soir à quelqu'un. Parce que ce que je vais dire là. Parce que ce que je vais dire là. Ça va souvent choquer. Ça va souvent choquer. Mais je préfère te dire la vérité. Mais je préfère te dire la vérité. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. À cause de fétiches. À cause de fétiches. À cause de maraboutage. À cause de maraboutage. À cause de maraboutage. À cause de maraboutage. À cause de fétiches. À cause de fétiches. Il prend une boîte de l'eau glacée. Il prend de l'eau glacée. Il a senti sur ses reins. Il a senti sur ses reins. Il va pagne. Il va pagne. Il a couru sur sa hanche. Il a couru sur sa hanche. Même il va vendre. Il ne sait pas cuitant. Même il va vendre cuitant. Il va vendre avec fétiche. Il va vendre avec fétiche. À cause de fétiche. À cause de fétiche. Il ne veut pas choisir Jésus. Il ne veut pas choisir Jésus. À cause de maraboutage. À cause de maraboutage. Il ne veut pas choisir Jésus. Il ne veut pas choisir Jésus. Quelqu'un qui meurt dans maraboutage. Quelqu'un qui meurt dans maraboutage. Avec ceinture de sécurité. Avec ceinture de sécurité. Avec pas de sécurité. Avec pas de sécurité. Il va jamais entrer au ciel. Il ne peut pas entrer au ciel. Il ne pourra jamais entrer là-bas. Il ne peut pas entrer au paradis. Il va jamais entrer là-bas. Il ne peut jamais entrer là-bas. Il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes. Il regarde sa bouteille de drogue. Il y a sa bouteille de drogue. Il regarde sa bouteille de porte. Il regarde sa bouteille de. Il regarde ses matins Guinness. Il regarde ses matins Guinness. Il regarde les vodkas. Il regarde les vodkas. Il regarde les vodkas. Il regarde les vodkas. Il est tellement attaché aux vodkas. Il est tellement attaché aux vodkas. Quand tu lui parles de Jésus. Quand tu lui parles de Jésus. Il dit on a qu'à boire. On a qu'à boire. À cause de la boisson. À cause de la boisson. Il refuse de marcher avec Jésus. Il refuse de marcher avec Jésus. Il cherche les prédicateurs. Il cherche les prédicateurs. Si un prédicateur lui dit. Si un prédicateur lui dit. Que la boisson n'est pas un péché. Que la boisson n'est pas un péché. Il dit toi tu es un bon prédicateur. Toi tu es un bon prédicateur. Parce que tu me permets de boire. Parce que tu me permets de boire. Tu me permets de me saouler. Les adeptes de Gédéon là. Alléluia. 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 Donc quand il tue, il a un prédicateur. Quand il y a un prédicateur, il lui dit qu'on peut boire. Il lui dit qu'on peut boire. Ça l'arrange. Ça l'arrange. Ça l'arrange. Ça l'arrange. Frère. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. On ne boit pas l'alcool. 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 En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. On ne boit pas l'alcool. On ne boit pas l'alcool. Il y a d'autres personnes. 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 D'autres personnes. D'autres personnes. À cause de
ce fétiche. À cause de fétiche. De la boisson. De la boisson. De la cigarette. De la cigarette. Oh, j'ai mal pour ces personnes. Oh, j'ai mal pour ces personnes. Il se lève à 6h. Il se lève à 6h. Il se dirige sur le boutiquier. Il se dirige sur le boutiquier. Où bien sur la boutiquière. Où bien sur la boutiquière. Il n'a même pas l'argent. Il n'a même pas l'argent. Il va prendre crédit de cigarettes. Il va prendre crédit de cigarettes. Il va mille fois au boutiquier. Il doit mille fois au boutiquier. Crédit de cigarettes. Crédit de cigarettes. Il met feu dans ses narines. Il met feu dans ses narines. Il fait les sorties fumées. Et pour faire les produits fumés. Mais comme un homme qui est normal. Mais comme un homme qui est normal. Fumé va sortir dans tes narines. Fumé va sortir dans tes narines. Tu es devenu avion. Tu es devenu avion. Tu es devenu voiture. Tu es devenu voiture. Tu es devenu moto. Tu es devenu moto. Okay. Comme un homme qui est normal. Comme un homme qui est normal. Il prend cigarette. Il prend cigarette. Il met dans sa bouche. Il met dans sa bouche. Il a fumé dans sa bouche. Il met fumé dans sa bouche. Il va sortir dans ses narines. Il va sortir dans ses narines. La même chose que moto. Il est même chose que moto. La même chose que échappement. Il est même chose que échappement. Frère. Frère. Tu mets avec cigarette. Tu mets avec cigarette. Tu mets des cigarettes là. Tu vas en enfer. Quand tu veux marcher avec Jésus, quand tu veux marcher avec Jésus, prends la cigarette, prends la cigarette, les Marlboro Lights, les Marlboro Lights, les Caravan Lights, les Caravan Lights, les Fin Lights, les Fin Lights. Quand j'étais dans poubelle, j'étais dans poubelle. Parce qu'on ne peut pas ton Jésus. Parce qu'on ne peut pas ton Jésus. Et puis fumer cigarette, puis fumer cigarette. On ne peut pas ton Jésus. On ne peut pas ton Jésus. Et puis fumer cigarette, puis fumer cigarette. Il y a une autre cigarette qui est arrivée. Il y a une autre cigarette qui est arrivée. On appelle ça chicha. On appelle ça chicha. Quand tu parles aux gens, quand tu parles aux gens, on dit non, chicha c'est pas drôle. Chicha c'est pas drogue. Mon ami arrête de te foutre de moi là. Mon ami arrête de te foutre de moi. Tout le monde est parti à l'école. Nous tous sommes partis à l'école. Chicha là. Chicha là. C'est même chose que la drogue. C'est même chose que la drogue. C'est même chose que la cigarette. C'est même chose que la cigarette. Et tu vois les jeunes au quartier. Et tu vois les jeunes au quartier. Tu vois les jeunes au quartier. Tu vois les jeunes au quartier. Dans le coin de chicha. Dans le coin de chicha. Toutes les caves. Toutes les caves. Pour ceux qui sont à Macorich. Pour ceux qui sont à Macorich. Pour ceux qui sont à Trècheville. Et pour ceux qui sont à Trècheville. Métier des jeunes de Trècheville. Métier des jeunes de Trècheville. C'est d'avoir cave. C'est d'avoir cave. Cave de chicha. Cave de chicha. Pour que les gens viennent entasser fumer dans les narines. Que les gens viennent entasser fumer dans les narines. Mon frère. Toi ta cave de chicha. Toi ta cave de chicha. C'est lui-même qui va fumer chicha dans sa cave. C'est lui-même qui va fumer chicha dans sa cave. Vous n'avez pas Jésus. Vous n'avez pas Jésus. Vous devez vous repentir. Si vous mourrez au patin d'enfer. Vous devez vous repentir. Parce que vous n'avez pas Jésus. Jésus Christ. Il n'est pas dans chicha. Il n'est pas dans chambre indienne. Il n'est pas dans cocaïne. Il n'est pas dans cigarette. À cause de masturbation. En français, il va dire tu te bolo. Tu te bolo. À cause de Bololiche. À cause d'Aoko. Quand on lui parle de Jésus. Mais caillou dans ses oreilles. Il y a caillou dans mes oreilles. Comme un homme qui est normal. On dit un gombo. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as créé femme. Quand tu veux te satisfaire. Va payer sa dot d'abord. Tu vas devenir cette catégorie de personnes après. Alléluia. Va payer sa dot d'abord. Et puis tu pourras aller avec elle. Mais toi, comme il y a d'autres qui disent. Oh, je ne me marie pas. Il n'y a rien de mariage. Comme il frappe à Oko. Mon mari, c'est mon savon. Ma femme, c'est mon savon. Il frappe à Oko. Celui qui frappe à Oko. Il n'a pas Jésus. Un homme. Il frappe à Oko. Avec belle ivoire. Avec Maxime Moussa. Avec savon cadeau. D'autres mecs qui vont faire un savon noir. Ça brûle son sexe. Mais il est toujours dedans. Toi qui es dans les masturbations. Toi qui es dans les Aoko. Tu n'as pas Jésus. Il faut te repentir. Quand on parle d'Aoko. Il faut comme s'ils ne sont pas concernés. Il y a des hommes mariés. Il frappe à Oko. Les hommes qui ne sont pas mariés. Il frappe à Oko. Mon frère. Ma soeur. Même aussi il y a des femmes. Qui frappent aussi à Oko. Tous ceux qui se masturbent. Qui frappent à Oko. Vous n'avez pas Jésus. Il faudra vous repentir. Jésus n'est pas dans Oko. Jésus n'est pas dans ma. Voici ma dot. Voici la dot de ta dot. Toutes les personnes. Qui ont pris enfant de quelqu'un. Femme de quelqu'un. Vous n'avez pas payé sa dot. Et puis vous vous multipliez là. C'est un péché devant. Toi qui n'as pas payé dot d'une femme. Et puis la femme vit avec toi. La dot qui dit ça. On avait 10 ans, on est déjà mariés. Quand on couche ensemble, on est déjà mariés. Mon ami, c'est faux. Ma soeur, c'est faux. Tu as soulevé ta valise. Je ne sais pas ce que l'homme là t'a dit. Il dit viens, il va écouter d'abord. Il dit viens, écouter d'abord. Si c'est bon,
Si c'est bon, je vais aller te marier. Je vais aller te marier. Je vais aller demander la main à tes parents. Je vais aller demander la main à tes parents. Et tu as sauté. Et tu as sauté. Tu es allé dans sa maison. Tu es allé dans sa maison. Il a fromponné bien. Il a fromponné bien. Il a coûté bien. Il a coûté bien. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Il dit je t'étudie. Il dit je t'étudie. Donc il a eu tête deux. Et la fille, il a eu tête deux. Il a eu trois ans. Trois ans. Je t'étudie. Je t'étudie. Il a eu licence 3. Il a eu licence 3. Il a eu 4 ans. Il a eu 4 ans. Master 1. Master 1. 5 ans. 5 ans. Master 2. Master 2. 6 ans. 6 ans. Test 1. Test 1. Test 2. Test 2. Doctorat, doctorat, PhD, PhD, certificat, certificat. Ça fait 15 ans. Avec 15 ans. Il n'a jamais vu tes parents. Il n'a jamais vu tes parents. Frère, frère. Toute relation sexuelle, sexuelle. Il n'y a pas la dot premièrement. Il n'y a pas la dot premièrement. C'est concubinage. C'est concubinage. Et notre Dieu. Et notre Dieu. Il n'y a pas un Dieu de concubinage. Il n'y a pas un Dieu de concubinage. Si tu veux, faut te fâcher. Donc toi, on t'a pas doté. On t'a pas doté. Tu habites chez lui. Tu habites chez lui. Toi, la massacre, tes barrettes, t'as parti. Faut sortir. C'est parce qu'il t'a pas doté qui te respecte pas. Faut sortir. Toi aussi, tu n'as pas doté enfin les gens. Oui. Tu dis c'est ma femme. Tu dis c'est ma femme. Tu vas te qualifier de voleur. Tu vas te qualifier de voleur. Tu es un voleur. En réalité, tu es un voleur. Quand tu vas à la boutique, même quand tu parles à la boutique, tu payes d'abord. Tu payes d'abord. Avant que Dieu te donne. Avant que Dieu te donne. Si tu ne payes pas. Si tu ne payes pas d'abord. Dieu ne peut pas te donner. Dieu ne peut pas te donner. Mais toi, tu ne veux pas payer la dot. Mais toi, tu ne veux pas payer la dot. Tu ne veux pas les payer sa dot. Tu ne veux pas les payer sa dot. Et puis tu dis c'est ma femme. Et puis tu dis c'est ma femme. Tu vas te qualifier de voleur. On appelle ça une usurpation d'identité. Si vous devez mourir dans ça. Si vous devez mourir dans ça. C'est l'enfer direct. Vous ne pouvez pas voir Jésus. Sans embouteillage. Sans embouteillage. Mon frère. Alléluia. Mon frère. Concubinage là. Concubinage là. C'est pas mariage. C'est pas mariage. Concubinage là. Concubinage là. C'est pas mariage. C'est pas mariage. Concubinage. Concubinage. C'est pas mariage. C'est pas mariage. Coégard. Coégard. C'est pas mariage. C'est pas mariage. Belle fouchette. Bonne fouchette. Piquez les poulets. Piquez les poulets. Et puis finis à l'hôtel. Finis à l'hôtel. Sans toque là. Sans toque là. C'est pas mariage. C'est pas mariage. Ma soeur. Ma soeur. Il faut sortir dedans. Il faut sortir dedans. Bah, tu dis que tu vas à l'église. Toi, tu dis que tu vas à l'église. Et puis tu es dans concubinage. Si tu es dans concubinage, il n'a pas de la dot. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas Jésus. Je ne te connais même pas. Tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas Jésus Christ. Tu n'as pas Jésus. Si on n'a pas payé ta dot. Tu es dans concubinage devant Dieu. Tu n'as pas Jésus. Si vous mourrez à cet enfer, tu n'as pas Jésus. Alléluia. J'aimerais parler à une catégorie de personnes. J'aimerais parler en ce cas à quelqu'un. Le voleur. T'as ta pièce d'identité. Ta pièce d'identité. Tu t'appelles Oumou Sangaré. Tu t'appelles Oumou Sangaré. Mais à cause des ballons. Mais à cause des ballons. Tu mets Oumou Matroma. Tu mets Oumou Matroma. À cause des ballons. À cause des ballons. Tu as changé ton esprit de naissance. Tu as changé ton esprit de naissance. C'est un menteur. C'est un menteur. Et puis tu voles. Et puis tu voles. C'est aussi tu voles. C'est aussi tu voles. À cause des ballons. À cause des ballons. Tu diminues ton âge. Tu as diminué ton âge. Tu voles. C'est du vol de vol. À cause de travail. À cause de travail. Tu as diminué ton âge. Tu as diminué ton âge. C'est du vol. C'est du vol de vol. Tu appelles les faux diplômes. Tu appelles les faux diplômes. Faux certificat de nationalité. Faux certificat de nationalité. Faux pièce d'identité. Faux pièce d'identité. Tout ça c'est le vol. Tout ça c'est le vol. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Je vais t'interpeller. Je vais t'interpeller ce soir. À te repentir. À te repentir. À te repentir. Quand Jésus t'appelle à la repentance. À te repentir ce soir. Jésus n'attend que ta repentance. Il n'attend que ta repentance. Il n'attend que ta repentance. Il n'attend que ta repentance. Donne ta vie à Jésus. Donne ton réellement à Jésus. Accepte réellement Jésus. Accepte réellement Jésus. Je vais accepter Jésus. Accepte Jésus. Je vais accepter ses commandements. Je vais accepter ses commandements. Jésus t'a dit dans Jean 14. Jésus dit dans Jean 14. Verset 15. Que celui qui m'aime. Celui qui m'aime. Garde mes commandements. Garde mes commandements. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Mais tu ne fais pas ce que Jésus dit. Mais tu ne fais pas. Chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Mais tu es dans le vol. Mais tu es dans le vol. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Mais tu fumes la cigarette. Tu fumes la cigarette. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Tu es dans le concubinage. Tu es dans le concubinage. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Tu es dans la masturbation. Tu es dans la masturbation. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Tu es dans l'alcool. Tu es dans l'alcool. Bien aimé. Bien aimé. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure. Comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure. Ceux qui seront sauvés. Ceux qui seront sauvés. Ceux qui seront levés. Ceux qui seront levés. C'est ceux qui sont en Jésus-Christ. 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 Ceux qui acceptent la parole de Dieu. Ceux qui acceptent la parole de Dieu. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui appliquent la parole de Dieu. Ceux qui appliquent la parole de Dieu. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas ceux qui vont à l'église chaque dimanche. Ceux qui vont à l'église chaque dimanche. Mais ceux qui mettent en parole en pratique. C'est ceux qui mettent en pratique. La parole de Dieu. La parole de Christ. On ne tue pas Jésus dans sa bouche. On ne tue pas Jésus dans sa bouche. C'est pourquoi le Seigneur pourrait le dire. C'est pourquoi le Seigneur pourrait le dire. Plusieurs me diront. Plusieurs me diront. Seigneur,
Seigneur. Nous avons chassé les démons. On a chassé les démons. En ton nom. En ton nom. Nous avons levé les cadavres. Nous avons levé les cadavres. En ton nom. En ton nom. Nous avons fait des miracles. Nous avons fait des miracles. En ton nom. En ton nom. Mais le Seigneur a dit. Mais le Seigneur a dit. Il va le dire. Il est là. Arrière de moi. Arrière de moi. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Parce que vous êtes ouvrier. Parce que vous êtes ouvrier. Vous êtes ouvrier. Parce que vous êtes ouvrier. Vous êtes ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'iniquité. Quel homme est fort? Quel homme est fort? Ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'iniquité. Mais c'est fort. C'est très très fort. Parce que le péché là même là. Parce que le péché là. J'ai enraciné dedans. J'ai enraciné dedans. J'ai enraciné là dedans. J'ai enraciné dedans. J'ai endormi là dedans. J'ai endormi dedans. Parce que tu te masturbes bien. Parce que tu te masturbes. Tu ne sais pas que masturbation. Tu ne sais pas que masturbation c'est péché. Tu penses que la masturbation. Tu penses que la masturbation. C'est quelque chose de normal alors. C'est quelque chose de normal. Tu fumes la cigarette. Tu fumes la cigarette. Et tu penses que c'est quelque chose de normal. Et tu penses que c'est quelque chose de normal. Quand tu fumes la cigarette. Quand tu fumes la cigarette. C'est en train de souiller le temple. C'est en train de souiller le temple. C'est en train de souiller le corps. C'est en train de souiller le corps. Que Jésus t'a donné. Que Jésus t'a donné. Ouais, Jésus même t'a dit dans 1 Corinthiens 6. Oh, Jésus t'a dit dans 1 Corinthiens 6. Verset 19. Verset 19. Là, le corps que tu as. Le corps que tu as là. Ne t'appartient pas. Ne t'appartient pas. Tu le corps est son temple. Le corps sera son temple si tu es converti. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Dans 1 Corinthiens 6. Dans 1 Corinthiens 6. Verset 19. Verset 19. Que notre corps. Que notre corps. Est le temple du Saint-Esprit. Est le temple du Saint-Esprit. Mais pour ça que le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Tu mets la cigarette là-dedans. Tu mets la cigarette là-dedans. Tu mets l'alcool là-dedans. Tu mets l'alcool là-dedans. Tu mets la drogue là-dedans. Tu mets la drogue là-dedans. Bien-aimé. Bien-aimé. Ton corps. Ton corps. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter là-dedans. Le Saint-Esprit ne peut pas. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu t'aimes en Jésus. Ça veut dire que tu t'aimes en Jésus. On l'a dit tout à l'heure. On nous avons dit tout à l'heure. Que le Seigneur. Quand le Seigneur. Viens chercher ceux qui sont en Jésus. Viens chercher ceux qui sont en Jésus. Laissez ton corps. Merci ton corps. Que le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit. Va t'aimerer là-dedans. Va t'aimerer dedans. Tu suis cela. Tu suis ce corps. Par la cigarette. Par la cigarette. Par l'alcool. Par l'alcool. Par la masturbation. Par la masturbation. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Va t'aimerer en toi. Ne peux pas t'aimerer. Voici le Saint-Esprit. Voici le Saint-Esprit. Ne t'aimais pas en toi. Ne t'aimais pas en toi. Jésus ne te connaît pas. 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 N'est-ce pas ton village? N'est-ce pas ton village? Le propriétaire du poulet. Le propriétaire du poulet. Il met ici sur le poulet. Il met ici sur son poulet. Dis que c'est son poulet. Dis que c'est son poulet. Il met signe sur son poulet. Pour dire aux autres habitants du village. Pour dire aux autres habitants du village. Qu'est-ce que son poulet? Qu'est-ce que son poulet? C'est pareil. C'est pareil. Pour le Seigneur Jésus. Pour le Seigneur Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Si je te fais enfant de Dieu. Tu te fais enfant de si Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit. Jésus ne te connaît pas. Jésus ne te connaît pas. Parce que c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit. Tu prouves que tu es un enfant de Dieu. Tu prouves que tu es un enfant de Dieu. Mais si tu suis ton corps. Mais si tu suis ton corps. Par la cigarette. Par la cigarette. Si tu suis ton corps. Si tu suis ton corps. Par la drogue. Par la drogue. Si tu suis ton corps, si tu suis ton corps, par le chicha, par le chicha, si tu suis ton corps, si tu suis ton corps, par l'alcool, par l'alcool, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, comment tu entends que le Saint-Esprit, comment tu entends le Saint-Esprit, t'as pas Saint, 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 l'Esprit qui est Saint, l'Esprit qui est Saint, l'Esprit qui est Saint, l'Esprit qui est Saint, on n'a pas dit l'Esprit qui est souillé, 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 on a dit l'Esprit qui est Saint, l'Esprit qui est Saint, l'Esprit qui est Saint, l'Esprit qui est Saint, ne peut pas cohabiter, ne peut pas cohabiter, avec la masturbation, avec la masturbation. L'Esprit qui est saint. L'Esprit qui est saint. Ne peut pas cohabiter. Ne peut pas cohabiter. Avec l'alcool. Avec l'alcool. L'Esprit qui est saint. L'Esprit qui est saint. Ne peut pas cohabiter. Ne peut pas cohabiter. Avec la cigarette. Avec la cigarette. L'Esprit qui est saint. L'Esprit qui est saint. Ne peut pas cohabiter. Ne peut pas cohabiter. Avec la débauche sexuelle. L'Esprit qui est saint. L'Esprit qui est saint. Ne peut pas cohabiter. Ne peut pas cohabiter. Avec le copinage. Avec le copinage. Bien aimé. Bien aimé. Ce n'est pas un jugement. Bien aimé, nous sommes venus sonner la trompette ce soir. Ce n'est pas un jugement. C'est comme on l'a fait te dire. Il y a un danger qui vient. J'ai la voiture qui a fait le délire. Il faut quitter sur la route. Sinon, la voiture va te cogner. Ne prends pas ça comme c'est un jugement. C'est un avertissement. Parce que les temps sont finis. Mais bien aimé, Jésus, lui ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est pourquoi toi, tu ne savais pas que la cigarette était un péché. Toi, tu ne savais pas que l'alcool était un péché. Toi, tu ne savais pas que la drogue était un péché devant Dieu. Toi, tu ne savais pas que le copinage était un péché devant Dieu. Toi, tu ne savais pas que la débauche sexuelle était un péché devant Dieu. Jésus, lui, n'attend que ta repentance. Si tu décides ce soir de te confesser, Jésus va effacer tous tes péchés.
ce soir. C'est pourquoi il nous envoie ce soir. Pour te parler. Non, mais c'est pas moi en train de te parler. Ce n'est pas nous qui te parlons. C'est Jésus qui te parle. C'est Jésus qui te parle toi. Jésus comme il est esprit. Jésus comme il est un esprit. Il ne peut pas descendre physiquement. Il ne peut pas descendre en tant qu'esprit. Pour te parler. Pour te parler. Pourquoi il saisit ma bouche. C'est pourquoi il utilise des serviteurs. Pour te parler ce soir. Pour te parler ce soir. On ne pense pas que c'est nous en train de te parler. On ne pense pas que c'est nous qui te parlons. C'est Jésus-Christ qui te parle ce soir. Nous te parlons au travers de la parole. Pourquoi pendant que tu attends la trompette sonner. Pendant que tu attends la trompette sonner. Tu dois donner ta vie à Jésus ce soir. Tu dois donner ton cœur à Jésus ce soir. Ne dissipe pas ton cœur. Non, dissipe pas ton cœur. Parce que tu ne sais pas ce que tu réserves demain. Parce que tu ne sais pas ce que tu réserves demain. À ce moment, peut-être il est 19h. Peut-être tu dois être 19h. Tu ne sais pas c'était 21 ans dans tes rêves. Tu ne sais pas ce qu'est 21 ans dans tes rêves. Tu ne sais pas ce qu'est 24 ans dans tes rêves. Tu ne sais pas ce qu'est 24 ans dans tes rêves. Depuis 7h du matin. Depuis 7h du matin. À 7h du matin, mais à 7h du matin. Il y a des gens qui étaient vivants. Il y a des gens qui étaient vivants. Mais à l'instant où je te parle. À l'instant où je te parle. Ils sont couchés à la mort. Il y a des gens qui sont couchés à la mort. Mais la vie que tu as. La vie que tu as. Comme le dit la parole de Dieu. Comme le dit la parole de Dieu. Dans le livre d'Ecclésiaste. Dans le livre d'Ecclésiaste. L'homme n'est pas maître de ton souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand tu mourras. Comme dans ta famille. Sur le moment où il y a même. Sur le moment que tu as même annoncé le décès. On t'a annoncé le décès. Tu n'es pas maître de ton souffle. Tu n'es pas maître de ta vie. Tu n'es pas maître de ta vie. Tu n'es pas maître de ta vie. C'est pourquoi tu ne peux pas raisonner. C'est pourquoi tu ne peux pas raisonner. C'est à l'instant même que tu dois donner ta vie à Jésus. C'est à l'instant même que tu dois croire. Pendant que tu entends la trompette sonner. Pendant que tu entends ce message. Non, mais ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas un jugement. Quand le Seigneur même guérissait les gens. Quand le Seigneur guérissait les gens. Quand le Seigneur guérissait les gens qui étaient dans le péché. Quand le Seigneur guérissait les gens qui étaient dans le péché. Il est puissant. Il a tout fait. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Il a tout fait. Il a tout fait. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Le Seigneur. Le Seigneur. Il ne tient pas compte. Il ne tient pas compte. Du temps d'ignorance. Du temps d'ignorance. Il attend que ta repentance. Il attend que ta repentance. C'est pourquoi il s'est sacrifié à la croix. C'est pourquoi il s'est sacrifié à la croix. Il attend que ta repentance. Il attend que ta repentance. C'est pourquoi il s'est sacrifié à la croix. C'est pourquoi il s'est sacrifié à la croix. Pour te racheter. Pour te racheter. Pour te faire naître de nouveau. Pour te faire naître de nouveau. C'est pourquoi tu dois accepter le baptême. C'est pourquoi tu dois accepter. Tu dois accepter le baptême en Jésus-Christ. Mon Jésus-Christ. Tu dois accepter de naître de nouveau. Tu dois accepter de naître de nouveau. Pour marcher selon la parole de Dieu. Pour marcher selon la parole de Dieu. Pour marcher selon Jésus-Christ. Pour marcher selon Jésus-Christ. Afin d'avoir la vie éternelle. Afin d'avoir la vie éternelle. Bien-aimé. Bien-aimé. Je t'en prie. Je t'en prie. N'en touche pas ton cœur. N'en touche pas ton cœur. Jésus n'attend que ta repentance. Jésus n'attend que ta repentance. Bien-aimé, sache que Jésus t'aime. Sache que Jésus a beaucoup d'amour. Jésus t'aime. Jésus a beaucoup d'amour. Comme le dit le livre de Jean 3:16. Comme le dit le livre de Jean 3:16. Jésus attend t'aimer le monde. Jésus attend t'aimer tous les hommes qui sont. Il a donné son plus unique. Il a donné son plus unique. Afin que quiconque. Afin que si aujourd'hui tu crois. Afin que quiconque. Afin que si toi aujourd'hui tu crois. Afin que quiconque. Afin que si toi aujourd'hui tu crois. Quoi en lui ne périsse pas. Tu ne perdras pas périsse. J'ai aimé affaire de Jésus. Affaire de Jésus. Ce n'est pas une histoire de religion. Ce n'est pas une histoire de religion. Ne dis pas moi ma religion, les gars. Ne dis pas que moi j'ai ma religion. Ne dis pas moi je suis bien musulman. Moi je suis bien musulman. Ne dis pas moi je suis chrétien. Je suis chrétien. J'ai aimé affaire de Jésus. Affaire de Jésus. Afin de Jésus. Afin de Jésus. Afin de sacrifice de Jésus. Afin de sacrifice de Jésus. Ça concerne toute l'humanité. Ça concerne toute l'humanité. Je ne sais pas si tu es un être humain. Si tu es un être humain. Jésus s'est sacrifié à la croix. Jésus s'est sacrifié à la croix pour toi. Si tu es un être humain. Si tu es un être humain. Jésus s'est sacrifié à la croix pour toi. Jésus s'est sacrifié à la croix pour toi. Ne dis pas moi je suis musulman. Ne dis pas que moi je suis musulman. Ne dis pas moi je suis bouddhiste. Moi je suis bouddhiste. Ne dis pas moi je suis raélien. Moi je suis raélien. Ne dis pas moi je suis ceci. Je suis ceci. Je suis ceci. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Le sacrifice de Jésus à la croix. Ça te concerne toi et moi. Bien-aimé, comme Jésus m'a dit. Comme Jésus m'a dit. Dans Jean 14:6. Dans Jean 14:6. Dieu, il est le chemin. Je suis le chemin. Il dit Jésus le chemin. Il dit Jésus le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Jamais Jésus n'a pas dit. Jésus n'a pas dit. Je suis un chemin. Je suis un chemin. Il a dit Jésus le chemin. Je suis le chemin. La vie. Longtemps tu as cherché le chemin. Longtemps tu as cherché le chemin. Ce soir. Ce soir. Jésus te dit. Jésus te dit. Il est le chemin. Il est le chemin. Mais ne cherche plus. Ne cherche plus ailleurs. Ne cherche plus ailleurs. Tu as trouvé le chemin aujourd'hui. Tu as trouvé le chemin aujourd'hui. Le vrai chemin. Le véritable chemin. Le véritable chemin. Le véritable chemin. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Le véritable chemin. Le véritable chemin. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle. Tu dois accepter Jésus-Christ. Tu dois accepter Jésus-Christ. Regarde même un peu. Regarde même un peu. L'humanité même t'enseigne. L'humanité même t'enseigne. Quand tu prends les calendriers. Viens de faire ce qu'on t'a.
dehors de lui. Dieu ne peut se faire en dehors de lui. Mais la vie, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. N'est-ce pas que toi-même tu dis tu aimes la vie? N'est-ce pas que toi-même tu dis tu aimes la vie? Si tu aimes la vie, si tu aimes la vie, tu vas accepter Jésus-Christ. Tu vas aimer Jésus-Christ. Tout ça, sois en dehors de Jésus-Christ. Tout ça, sois en dehors de Jésus-Christ. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. C'est pourquoi ce soir? C'est pourquoi ce soir? Tu dois accepter Jésus-Christ. Tu dois croire en Jésus-Christ. Parce que Jésus te tend la main. Parce que Jésus te tend la main. Il te tend les bras ce soir. Il te tend les bras ce soir. Accepte Jésus maintenant. Crois en Jésus-Christ. Ne raisonne pas. Ne raisonne pas. Ne va pas faire toi la mort. Tu vas faire toi la mort. Ils n'ont pas eu la grâce que toi. Ils n'ont pas eu la grâce que toi tu as. Ils n'ont pas eu la grâce que toi tu as. Ils n'ont pas eu la grâce que toi. Ils sont touchés à la mort. Ils sont couchés à la mort. Va faire toi au cimetière. Va faire toi au cimetière. Ils n'ont pas la grâce que tu as. Ils n'ont pas la grâce que tu as. Ils sont morts. Ils sont morts. Sans Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ. Ils sont couchés au cimetière. Ils sont couchés au cimetière. Ils sont en train de brûler l'enfer. Ils sont en train de brûler. Ils sont en train de regretter toute la vie. De regretter toute la vie. Mais si tu meurs sans Jésus-Christ. Tu meurs sans Jésus-Christ. Il faudra mieux pour toi. Il faudra mieux pour toi. Tu ne vas pas naître sur cette terre. Tu ne vas pas naître sur cette terre. Parce que si tu meurs sans Jésus-Christ. Si tu meurs sans Jésus-Christ. C'est l'enfer éternel. C'est l'enfer éternel. Mais ne te parle d'éternité. Je te parle de l'éternité. Je te parle pas de 100 ans. Je te parle pas de 100 ans. Je te parle pas de 200 ans. Je te parle pas de 200 ans. Je te parle pas de 1000 ans. Je te parle pas de 1500 ans. Je te parle pas de 1000 ans. Je te parle pas de 1000 ans. Je te parle pas de 2000 ans. Je te parle pas de 2000 ans. Je te parle d'éternité. Je te parle de l'éternité. Tu vas brûler pour l'éternité. Tu vas brûler pour l'éternité. Non, mais l'enfer. L'enfer. C'est une réalité. C'est une réalité. Dieu ne m'a ravi de personne. Dieu ne m'a ravi de personne. Allez leur montrer l'enfer. Allez leur montrer l'enfer. Vous venez témoigner. Afin de lui témoigner. Bien-aimé. Bien-aimé. Peut-être tu vas raisonner. Peut-être tu raisonneras. Dis non, toi tu ne crois pas en témoignage. Parce que toi tu ne crois pas en témoignage. C'est un mensonge. C'est certain mensonge. Mais quand tu lis la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même. Il t'a parlé de l'enfer. Il t'a parlé de ce lieu-là. Il t'a parlé de l'enfer. Il a parlé de ce lieu-là. Il t'a parlé de l'enfer. Il t'a parlé de ce lieu-là. Quelqu'un peut me voir le passage de Luc, du pauvre Lazare. Luc chapitre 16. Du pauvre Lazare et du riche. Alléluia. Amen. Rapidement, rapidement. Mais quand tu parles de l'enfer, ce n'est pas une invention. L'enfer est réel. L'enfer est très réel. Bien-aimé. Je te donne un conseil de frère. Je te donne un conseil en tant que frère. Fais tout pour éviter l'enfer. 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 L'enfer n'a pas été fait pour les hommes. L'enfer n'a pas été fait pour les hommes. Mais c'est ceux qui veulent suivre le diable. Mais c'est ceux qui veulent marcher avec le diable. Tu vas aller là-bas. Il va se lever. Parce que l'enfer, c'est la demeure du diable. Parce que l'enfer, c'est la demeure du diable. Il y avait un homme riche. Il y avait un homme riche. Qui était vêtu de poudre. Qui était vêtu de poudre. Et de fine laine. Et qui chaque jour menait joyeuse et bien vue. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, suivant du sein. Et devenu de se rassembler des miettes qui tombaient de la table. De la table du riche. Et même les chefs venaient encore lécher ses oussins. Le pauvre lui. Le pauvre est mort, allons-y. Et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc les anges sont venus porter le pauvre qui est mort dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Le riche aussi est mort. Et il fut enseveli. Lui, il n'a pas tant chevelu le chercheur, il fut enseveli. Amen. Oui. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Il a levé les yeux. Et tandis qu'il était en pleurs, et tout le monde. On va s'arrêter là. Donc le riche aussi est mort. Amen. La Bible dit qu'il était dans le séjour des morts. Il était dans le séjour des morts. Le séjour des morts là. Le séjour des morts là. C'est la salle d'attente d'abord. C'est la salle d'attente d'abord. Avant la destination finale. Avant la destination finale. Dans le séjour des morts. Le séjour des morts. C'est la souffrance. C'est la souffrance. C'est le lieu. C'est le lieu. Il y a des pleurs. Il y a des pleurs. Un grincement de dents. Un grincement de dents. Les démons. Les démons. Vont te maltraiter. Vont te maltraiter. Les démons. Les démons. Vont te chicoter. Vont te chicoter. Les démons. Les démons. Vont te faire mal. Vont te faire mal. Ça c'est d'abord la salle d'attente. Ça c'est d'abord la salle d'attente. Avant le jugement dernier. Avant le jugement dernier. Après le jugement dernier. Après le jugement dernier. Le séjour des morts. Le séjour des morts. La mort. La mort. Et tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Et tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Seront jetés. Seront jetés. Dans un étang ardent de feu. Dans un étang ardent de feu. Et ce feu là. Et ce feu là. C'est au siècle des siècles. C'est au siècle des siècles. C'est jusque dans l'éternité. C'est jusque dans l'éternité. Mon frère, tu as assis là ce soir. Mon frère, tu as assis là ce soir. Ma soeur, tu as assis là ce soir. Ma soeur,
été assise là ce soir. Et pardon, il faut m'écouter. Pardon, il faut m'écouter. Tu as longtemps écouté les gens au quartier. Tu as longtemps écouté les gens au quartier. Tu as longtemps entendu des paroles au quartier. Tu as longtemps entendu des paroles au quartier. Mais l'enfer là. Donc, nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler là. Ce n'est pas un lieu d'amusement. Ce n'est pas un lieu d'amusement. On ne suis pas bébé là-bas. On ne suis pas bébé en enfer. On ne suis pas qu'on a mis là-bas. On ne suis pas qu'on a mis là-bas. On ne suis pas l'autre là-bas. On ne suis pas l'autre là-bas. On brûle dans le feu. On brûle dans le feu. On est topié. 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 Maltraité par les démons d'abord. Maltraité par les démons d'abord. Et ensuite. On est jeté dans les temps dans le feu. On est jeté dans les temps dans le feu. Pour éviter cela. Pour éviter cela. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Mon frère. La première des choses. Si tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu veux avoir la vie éternelle. Si tu veux avoir la vie éternelle. Tu dois avoir télépathie 1. Tu dois avoir télépathie 1. Contre toutes les choses que nous avons annoncées. La masturbation. L'alcool. L'alcool. Le vol. La cigarette. Les chiffres. Le mensonge. Tu dois te répentir d'abord. Deuxième des choses à faire. C'est d'être baptisé en Jésus. Baptême-toi premièrement. Baptême de l'esprit ensuite. Parce que si tu ne respectes pas. Ce protocole. Parce que si tu ne respectes pas. Ce protocole. Tu n'auras pas la vie éternelle. Mon frère. Il y a deux destinations. Il y a un comédien un jour. Dans sa comédie. Il dit il y a deux options. C'est la vérité. Seulement deux options dans la vie. Soit tu te lèves le matin. Soit tu ne te lèves pas. Soit tu manges. Ou tu ne manges pas. Où tu parles. Ou tu ne parles pas. Il y a que deux cas. Il y a toujours deux cas. Soit tu as Jésus. Soit tu n'as pas Jésus. Si tu as Jésus. Tu as la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus. Tu as le contraire de la vie. C'est la mort éternelle. Voilà pourquoi. Dans Deutéronome. Oui. Chapitre 30. Verset 19. Il est écrit. J'en prends aujourd'hui. À témoin contre vous. À témoin votre vie. À témoin contre vous. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre. J'ai mis devant toi. La vie. Qui est Jésus. Et la mort. Qui n'est pas Jésus. Choisis la vie, Jésus. Le seul. Dans tous les documents de la terre. Même les documents les plus historiques. Les documents les plus anciens. Les fouilles archéologiques. La seule personne. Qui a dit de sa bouche. Je suis le chemin. C'est Jésus seul. C'est lui seul. Amen. Prends tous les documents que tu veux. Tous les documents de mathématiques. Tous les plus grands livres de sagesse. Le plus grand livre de la franc-maçonnerie. Le plus grand livre de la Rose-Croix. Le plus grand livre des prêtres catholiques. Le plus grand livre. Dans tous ces livres-là. La seule personne. Qui a dit. De sa propre bouche. Je suis le chemin. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus seul. Voici pourquoi. Comme c'est Jésus qui est le chemin. Je vais te présenter ce chemin. Mon frère. Ma soeur. Le véritable chemin. Le seul chemin. C'est le chemin qui est Jésus. En dehors de Jésus. C'est la mort. En dehors de Jésus. C'est la mort. En dehors de Jésus. C'est la mort. Toi qui es encore attaché. À tes traditions. À la coutume de ton village. Et tu fais des fêtes. En l'honneur des dieux de ton village. Faites de génération. Faites à Poussa. Faites de popo carnaval. Faites des signes. Je ne sais pas quelle fête encore. Pour eux.
Faites poreux. Faites poreux. Mon frère, ma soeur, ma soeur. Nous tous qui sommes là, nous tous qui sommes là. On vient d'une ethnie. On vient d'une ethnie. Certains sont parlés. Certains sont parlés. D'autres sont pétés. D'autres sont pétés. D'autres sont poutinabés. D'autres sont poutinabés. Mais mon frère. Mais mon frère. Quand tu veux marcher avec Jésus. Quand tu veux marcher avec Jésus. Tu n'appartiens plus. Tu n'appartiens plus. Au rite. Au rite. Aux traditions. Aux traditions. De ta famille. De ta famille. Mais tu appartiens. Tu appartiens. À la tradition. À la tradition. De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Les fêtes d'Ignam. Les fêtes d'Ignam. Les fêtes d'Ignam. Les fêtes d'Ignam. Popo carnaval. Popo carnaval. Poreux. Poreux. Tu ne dois plus être dans une époque. Voilà pourquoi je vais t'interpeller. Voilà pourquoi je t'interpelle. Toi qui es dans la fête à Poussa. Toi qui es dans cette fête-là. Fête de génération. Toi qui es dans cette fête-là. Tu es un jeune ébrié. Tu es un jeune. Ébrié. Ébrié. Tu es dans la fête de génération. Dans cette fête-là. Il faut sortir dedans. Il faut sortir dedans. Parce que tu n'appartiens plus à ta génération. Parce que tu n'appartiens plus à ta génération. Tu dois appartenir à Jésus. J'appartiens à Jésus. En quand tu appartiens à Jésus. En quand tu appartiens à Jésus. Il n'est plus de ta génération. Il n'est plus de ta génération. Tu es de la génération de Jésus. Tu es de la génération de Jésus. Oh, dans la génération de Jésus. Oh, dans cette génération. Il n'y a pas fait de 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 génération. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Toi qui es dans les fêtes de génération. Toi qui es dans cette fête. Fête à Poussa. Fête à Poussa. Popo carnaval. Oui. Tu n'as pas Jésus d'abord. Tu n'as pas Jésus. Parce que quand tu es dans cette pratique. Quand tu es dans cette pratique. Tu tisses alliance avec la sorcellerie. Alliance avec la sorcellerie. Tu tisses alliance avec les esprits. Oui. Alliance avec des esprits. Oui. Tu tisses alliance. Tu tisses alliance. Avec des démons. Avec les démons. Tu tisses alliance. Tu tisses alliance. Avec les esprits. Avec les esprits. Des esprits impurs. Bien aimé. Et quand tu es dans ces choses, tu as 10 alliances. Tu as 10 alliances. Tu as 10 alliances. Tu as 10 alliances. Avec des petits. Avec des petits. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Jésus-Christ. Jésus-Christ. N'a pas un Dieu de petits. 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 J'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager. Sors de fête à Poussa. Sors de ce fête-là. Sors de Popo carnaval. Sors de ce fête-là. Sors de Popo carnaval. Sors de ce fête-là. Sors de raisonnement. Sors de raisonnement. Sors de raisonnement. Sors de raisonnement. Viens à Jésus. Viens à Jésus. J'aimerais parler à quelqu'un aussi. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. J'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. C'est dans la rivalité. C'est dans la rivalité. La rivalité. C'est dans la rivalité. La conquête. Oui. La conquête. Oui. La rivalité. La rivalité. La conquête. La conquête. Apprendre des fétiches. Apprendre des fétiches. Apprendre des fétiches. Apprendre des médicaments. Apprendre des médicaments. Parler contre ton frère. Parler contre ton frère. Parler contre ta soeur. Parler contre ta soeur. À cause de la rivalité. 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 Ton frère est mort. Ton frère est mort. Il a laissé des enfants. Il a laissé des enfants. Ton frère est mort. Ton frère est mort. Il a laissé des enfants. Il a laissé des enfants. Et à cause de la rivalité. À cause de la rivalité. J'ai pris les terres. J'ai pris les terres. J'ai pris l'héritage. J'ai pris l'héritage. L'héritage de ses enfants là. De ses enfants. Et tu as fait pour toi. Et tu as pris ça pour toi. Tu as pris cela pour toi. Tu as pris cela pour toi. Frère, frère, tu n'as pas encore Jésus. Tu n'as pas encore Jésus. Parce que si tu as Jésus, parce que si tu as Jésus, va d'abord te répandre. Va d'abord te répandre. Et fais la restitution. Et fais la restitution. Redonner les terres. Redonner les terres. Redonner l'héritage. Redonner l'héritage. Des enfants de ton frère. Des enfants de ton frère. Mon frère. Mon frère. Ma soeur. Ma soeur. La rivalité. La rivalité. A conduit plus à l'enfer. A conduit plusieurs à l'enfer. La colère. La colère. Ça conduit plus en enfer. Ça conduit plus en enfer. Il y a des femmes. Il y a des femmes. À cause de la colère. À cause de la colère. Il y a des femmes. Il y a des femmes. À cause de la colère. À cause de la colère. Des pleines casseroles. Des pleines casseroles. Pour taper tête le mari. Je sens peut-être le mari. Il y a des femmes. Il y a des femmes. À cause de la colère. À cause de la colère. Elle casse tout dans la maison. Elle casse tout dans la maison. Il y a des hommes. Il y a des hommes. À cause de la colère. À cause de la colère. Il casse tout dans la maison. Elle casse tout dans la maison. Si tu es dans la colère. Si tu es dans la colère. Tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Tu ne pourras pas hériter Jésus. Tu ne pourras pas hériter Jésus. Tu ne pourras pas hériter Jésus. Je parle encore une catégorie de personnes. Je parle encore une catégorie de personnes. Les gens qui font teinture. Les gens qui font teinture. Teinture de couleur rouge. Teinture de couleur rouge. Teinture de couleur noire. Oui, couleur noire. Teinture de couleur violet. Violet. Teinture de couleur jaune. Jaune. Teinture de couleur orange. Orange. Quelle que soit la couleur de la teinture. Quelle que soit la couleur. Quand tu teins tes cheveux. Quand tu teins tes cheveux. En réalité devant Dieu. En réalité devant Dieu. Tu es considéré comme un menteur. Tu es considéré comme un menteur. Parce que quand Dieu t'a envoyé dans ce monde. Parce que quand Dieu t'a envoyé dans ce monde. Tu as donné une couleur de cheveux. Tu as donné une couleur de cheveux. Mais toi tu dis à Dieu. Mais toi tu dis à Dieu. Mais Seigneur.
Seigneur, pourquoi mes cheveux sont noirs? Pourquoi mes cheveux sont noirs? Je vais rendre mes cheveux orange. Je vais rendre ça orange. Et tu prends tes tuches. Et tu prends tes tuches. Pour mettre tes cheveux. Pour mettre tes cheveux. Ça devient mensonge. Ça devient mensonge. Ce n'est pas la couleur de tes cheveux. Ce n'est pas la couleur de tes cheveux. Tous ceux qui se sont teints les cheveux. Tous ceux qui se sont teints les cheveux. À cause des soi-disant fêtes de fin d'année. À cause des soi-disant fêtes de fin d'année. Changez de couleur rouge. Changez de couleur rouge. Couleur vex. Vex. Couleur marron. Marron. Ils appellent ça couleur vacances. Ils appellent ça vacances. Mon frère, il faut te repentir. Repends-toi. Abandonnez les peintures. Abandonne cela. Abandonnez les peintures. Abandonne cela. Abandonnez les peintures. Abandonne cela. Toutes les personnes. Dans les coiffes, dans les styles de coiffure. Dans les styles de coiffure. Les styles de coiffure bizarres. Parce que quand tu es en Christ, tu es ensemble. Je transforme. Premièrement ton intérieur. Et ensuite ton extérieur. Je transforme les deux parties. Je change les deux parties. Donc ta parure extérieure. Va refléter. La sainteté. La pureté. Mais regarde ta coiffure. Regarde ta coiffure. Barakuta. Est-ce que tu connais qui est Barakuta? Est-ce que tu connais qui est Barakuta? Tu as regardé dans un film. On l'appelait Barakuta. Il a fait une coiffure. Et cette coiffure bizarre. Sans te mentir. Sans discerner. Toi aussi tu fais Barakuta. Mais ce que tu ne sais pas. Dans cette coiffure là. C'est l'entité Barakuta. Le démon Barakuta. Le démon guerrier Barakuta. Que tu invoques. Voilà pourquoi. Quand quelqu'un se coiffe. Oui. À la Barakuta. Oui. Il se croit comme un guerrier. Il se croit comme un dangereux. Il se croit comme quelqu'un qui est fort. Oui. C'est la coiffure de tous les noussis. Regardez tous les noussis là. Regardez comment. La coiffure, ce sont les Barakuta. La coiffure, c'est ça. Pour montrer au monde. Ce sont des Ikei. Ce sont des Dangoros. Des Atibatés. À cause de la coiffure Barakuta. Les démons guerriers. Les démons guerriers sont venus les appliquer. Ont pris place en eux. Voilà pourquoi je t'interpelle. Si tu veux connaître le mystère, du royaume des cieux. Mon frère, il faut t'approcher. Je viens te demander quelques conseils. Et tu vas apprendre beaucoup de choses. Il y a des personnes aujourd'hui. Qui font des coiffures. Masse gratelle. Les coiffures. Toto tectonique. Mon frère. Attention. Avec ce genre de style de coiffure. Attention. Avec ce genre de coiffure. Il y a des personnes qui se coiffent. Ils dessinent fleurs. Dans les cheveux. Ils dessinent salamandre. Dans les cheveux. Ils dessinent serpent. Dans les cheveux. D'autres. Va plus loin encore. Mets dans les cheveux. Maman, je t'aime. Même si tu as mis ça. Ce n'est pas une coiffure. Viens selon Dieu. Mais c'est une coiffure. Viens selon le monde. C'est par le monde des ténèbres. Voilà pourquoi. Je t'exhorte. Abandonnez Barakuta. Abandonnez tectonique. Les deux tons piqués. Les deux tons tectoniques. Sors de ces champs de coiffure. Abandonne ces champs de choses. Bien aimé. Le monde même nous enseigne. La nature même nous enseigne. J'étais encore petit. En ce moment. Il y avait la coiffure, deux tons qui étaient sortis. J'ai fait deux tons. Je suis venu devant mon papa. Il dit cette coiffure. C'est la coiffure de voyous. C'est la coiffure de bandits. C'est la coiffure de brigands. Parce qu'en ce moment, on entend que John Polo
Allô. Au temps de John Pomona. Au temps des gros plans en Côte d'Ivoire. Au temps des gros plans en Côte d'Ivoire. Au temps des Zikéi en Côte d'Ivoire. Au temps des Zikéi en Côte d'Ivoire. Leur coiffure. Leur coiffure. C'était après les béton. C'était après les tétons. Et quand mon père a vu cela. Et quand mon père a vu cela. Mon père, qui n'est pas chrétien. Lui qui n'est pas chrétien. Il n'a jamais mis son pied à l'église. Il n'a jamais mis son pied à l'église. Quand il a regardé la coiffure. Quand il a regardé la coiffure. Il dit non, 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 non. Il dit non, 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 non. Toi, mon enfant. Toi, mon enfant. Tu ne peux pas te coiffer comme cela. Tu ne peux pas te coiffer comme ça. Parce que tu as pris sur toi. Parce que tu as pris sur toi. Des esprits de banditisme. Oui. Des esprits de voyousie. Regardez un exemple. Quand quelqu'un veut se jouer les voyous, la première des choses qui va commencer à faire, il va changer d'abord sa coiffure, il va changer sa coiffure. Regardez tous les apprentis de Bacar. Regardez tous les apprentis. Quand il veut se jouer les voyous, c'est d'abord les deux tons. Oui. Ensuite les deux blocs. Ensuite, les coiffures tectoniques. C'est ça, oui. Parce que quand il fait ce genre de choses, quand il fait ça, il appartient au monde. Il appartient au monde. Le monde de la voyousie. Le monde de la voyousie. Le monde du banditisme. Le monde du banditisme. Le monde de le monde est délinquant. C'est pourquoi je vais t'exhorter. Je t'exhorte. À sortir de la délinquance. À sortir de la délinquance. À sortir de là. À sortir de la délinquance. J'aimerais parler à une femme. Oui. Ma soeur, ce que je vais te dire là, ça va baisser un peu ton cœur. Ça va baisser un peu ton cœur. Mais je vais faire doucement. On va faire doucement. Parce que ça te passe trop mal. C'est ça. Mais... je te donne maintenant un exemple. Pas regarde aujourd'hui les femmes. Un pas de collant. Collant. Elle sort de la maison. Elle remit ses fesses dans collant. Et puis elle dit oyez. Elle dit elle a prié comme cela. Quel est le danger qui est derrière? Quand toi, femme, tu portes le collant. Vous te promenez dans Abidjan. Je vais parler sur de cela. Sous d'abord deux angles. Vas-y, Premier angle. Quand tu portes le collant, et tu sors, ma soeur, regarde comment tes fesses sont dessinées, regarde comment ton caleçon est dessiné dedans, regarde comment toi-même tu es dessiné, regarde comment toi-même tu es plaqué dedans. Oui. Et quand les hommes te regardent, leur cœur bat à la chamade, ils te désirent, ils se convoient, ils veulent te découvrir, Oh, la Bible dit, qu'un homme, regarde une femme, oui. Pour la convoiter. Dans son cœur. Lui et puis la femme. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait bisous. Ils ont déjà couché ensemble. Matthieu 7, verset 27. Homme de Dieu, tout ça. Ils ont déjà couché ensemble. Donc ma soeur, quand tu portes collant collé, toi-même t'appelles ça collant collé. Tu sors de ta maison. Je te promets. Tu as traversé combien d'hommes? Hein? Tu as dépassé combien d'hommes? Hein? Et tous ces hommes-là? Matthieu 5, au verset 27, en 28. Vous avez appris. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi. Je vous dis que. Quiconque. Regarde une femme. Pour la convoiter. A déjà commis. Un adultère. Avec elle. Dans son cœur. Matthieu 5, verset 7. On dit qu'un homme te regarde, et puis il commence à te convoiter. Il ne t'a même pas encore touché. Il n'a même pas dit maman. Il ne t'a même pas encore appelé. Vous avez déjà couché ensemble. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qui va commencer à te convoiter. Tu as porté collant collé. Les habits serrés, tu es mal habillé. Les habits sexy. Les mini-jupes. Toutes tes cuisses sont dehors. Les pantalons pétés. Un déchis là. Ces cuisses sont dehors. Les culottes. Quand l'homme regarde, ça ici. Il commence à te convoiter. La Bible dit. Il n'a même pas fait plus. Mais vous avez déjà couché ensemble. Voilà pourquoi. Aujourd'hui. Il y a des femmes. Quand elles tombent.
Quand elle dort, Marie de nuit, je ne pas. Elle quitte là-bas. Hey, il vient coucher avec elle. Il sort avec elle. Elle se pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on couche avec moi? Dans le rêve. Dans le songe. L'origine. On va appeler ça reine douloureuse. Ça, c'est la médecine. Mais Dieu a l'explication de toutes choses. La première origine. Marie de nuit. J'ai femme de nuit. Attends, en train de te dire. Ma soeur. Tu t'habilles mal. Il y a des femmes qui passent Bramesse là. C'est pour son mari dans la chambre. Ce n'est pas pour tout le monde dehors. Et quand tu portes ces genres de choses, tu le fais. Et l'homme regarde ton dos. Il dit waouh. Un dos que je veux bien caresser. Un dos que je veux bien avoir. Je vais dormir dessus. Comment ça va te penser macabre? De vilaines pensées. Il a déjà couché avec toi. Abomination. La plupart de ces femmes, elles vont se jouer les juges, elles vont raisonner. C'est ce que je suis en train de dire ce soir. Elles le savent. À l'intérieur de leur cœur. Tu sens ça la nuit. Pendant que tu dors. Un monsieur grand de taille. Il est costaud. Très grand de taille. Il attend ton rêve. Donc tu aimes. Il te caresse. Et puis tu dis arrête-moi. Arrête ça. Il te caresse. Il couche avec toi. Et quand tu en boue, quand il a fini de coucher avec toi, Tu te sens sale. Tu te sens répugnant. C'est devenu bizarre. Il y a d'autres. C'est le visage. Un jeune homme au quartier. Il y a d'autres. C'est le visage. De leur frère. En réalité. C'est pas ton frère. C'est pas ta soeur. Mais comme. Tu t'es mal habillé. Et tu t'es promené dans le temps. Avec collant collé. Pantalon plaqué. Chérie, regarde mon ton. Regarde mes fesses. Ça couche avec toi. Je te donne le témoignage. Le témoignage d'une blanche. Les gens pensent que c'est seulement les noirs. Une blanche. On est allé un jour la voir. La blanche dit. Il y a un homme grand de taille. Bien musclé. Il est de teint noire. Il vient physiquement. Il entre dans ma maison. Il couche avec moi. Elle dort même pas. Elle n'est même pas en train de dormir. Elle est assise dans son canapé. Elle voit une apparition. Les gens appellent ça anxiété. Ceux qui sont trop allés à l'école, ils appellent ça anxiété. Ils appellent ça trouble. C'est pas comportement, c'est vrai. C'est elle seule qui le voit. Il commence à la caresser. Elle dit qu'il la caresse comme lui. Ça lui plaît tellement qu'elle ne peut pas résister. Elle couche avec elle. Oui, en direct. Dans le canapé. En vérité. Dans le canapé. Et cet homme-là. Quand maintenant. Elle veut aller avoir des relations. Oui. Avec des hommes. Physiquement. Les hommes viennent la voir. Oui. On dit ma soeur, tu es belle. Je suis très belle. Il veut la marier. Mais les gens disent. Il y a quelqu'un qui est venu me visiter. Il m'a menacé. Il te dit que toi. Je ne dois pas te marier. Oui. Oh! Mais qu'est-ce qui a fait cela? Pendant notre échange, on lui a posé la question. Elle dit elle aime la vie. Elle aime les chichis. Elle aime toutes ces genres de choses. Elle s'habille très mal le payard. Voilà. Quand tu aimes le payard. C'est comme ça qu'ils appellent maintenant Abidjan. Abidjan, c'est qui est mauvais, on donne bon nom. Ils appellent ça Payard. Les Payards.
paya, paya. Toi qui fais le paya là. Toi qui fais le paya. Tu bâtis des démons. Tu bâtis des démons. Tu bâtis des esprits. Tu bâtis des esprits. C'est ce que tu ne sais pas. C'est ce que tu ne sais pas. C'est ce que tu ne sais même pas. Après tu vas pleurer. Et puis le nom qu'on donne à la chose. On donne le nom paya. Le nom paya là. En réalité c'est le nom même du démon. Hey. Que le démon a mis dans la pensée de quelqu'un. Hey. Et puis quelqu'un a commencé à dire paya, paya, paya. Et puis ça a pris. En réalité, c'est le démon que tu invoques là. C'est le démon que tu invoques. C'est lui qui est paya. C'est lui qui est paya. Mon frère, si tu ne crois pas, pendant qu'on va finir ce soir, quand on va finir, viens, tu dis homme de Dieu. Moi j'aime paya. On va commenter au nom de Jésus. On va commenter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le démon qu'on appelle paya. Le démon qu'on appelle paya. Il va se manifester. C'est moi. Il va dire c'est moi. C'est moi. Si tu ne le crois pas, qui la pousse revenir. Qui le pousse. C'est moi qui le pousse. Après de telles choses. Ma soeur. Mon frère. Quand tu t'habilles mal. Pour sortir. Voici les conséquences. Et s'habiller mal. C'est un péché. Deuxième chose. Les femmes qui portent collant. On expliquait d'abord le premier volet. Voilà. Le collant. C'est la même chose que le pantalon. C'est la même confection. C'est la même chose. C'est le même style. En réalité. Écoute-moi ça. Si tu es une femme. Tu es dans une chambre de prière ici. Tu es dans une maison à côté. Tu es simplement en train de passer dans cette lumière. Tu passes de cette lumière. Femme. Pardon. Empêté. On dit Aïto. Yaya. Écoute-moi. Écoute-moi. Ce que je vais te dire. Ça va te faire mal. Ça va te paraître puissant. Mais je te dis la vérité. Attends d'abord. En réalité, les collants collés là, ceux qui doivent les porter, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui doivent les porter. Je retourne en 1980. Même en France. Les gens le savent. Homme de Dieu. Je vais rappeler un peu l'histoire du pantalon. Et on va continuer. Allons-y. En 1901, vous portez le pantalon en France. Trois femmes. J'étais obligé de prendre une autorisation. De travestissement. Ça veut dire. Moi. Qui suis femme. Accordez-moi. Le droit. De me comporter. Comme un travesti. Comme un prêté. Comme un homme. Et quand On te regarde. Quand tu insistes trop. On te donne l'autorisation. De pécher. L'autorisation. De porter le pantalon. Tu as vu. Tu ne savais pas. C'est ça maintenant. Tu le sais maintenant. Homme de Dieu, Voilà pourquoi. Dans l'histoire du pantalon. Demandez au couturier. Aux vrais stylistes. Pas les stylistes de 2000 ans. Pas les stylistes bizarres. Les stylistes de 1900 derrière là-bas. Ils le savent. Dans le style de l'homme. Quand on confectionne ses vêtements. Surtout le pantalon. On met une fermeture éclair. Mais c'est pourquoi on met une fermeture éclair? C'est pour permettre à l'homme. Lorsqu'il va vouloir pisser, il descend la fermeture éclair. Et il va commencer à uriner. Et dans le style des femmes. Quand elle doit uriner. Elle doit s'abaisser. Parce qu'elle urine par le bas. Donc ils ont fait les jupes. Les robes. Et vous regardez. Les jupes. Il y a de l'espace. Tu peux t'abaisser. Et uriner. Les robes. Tu peux t'abaisser. Et uriner. Je vous montre maintenant une image. Si une femme a porté pantalon. Et qu'elle veut uriner. Elle court. Elle fait comment? Elle va dans les herbes. Elle s'habille totalement. Elle abaisse tout le pantalon. Elle enlève tout le pantalon. Si elle avait mis sa robe. Elle avait s'abaissé simplement. Et puis le travail est fini. Et comme le monde. Et comme le monde. Et comme le monde. A
À la base, la nature de Dieu en lui, les hommes ont réfléchi, ils ont fait robe pour les femmes, pantalon pour les hommes. Regardez maintenant, je vous donne une image, j'attrape le micro, et puis j'apporte une chute, mais quand vous allez me regarder, je vais dire, ça c'est quoi ça encore, pasteur qui porte chute, donc on sait que la chute, c'est pour la femme, le pantalon, c'est pour l'homme. Il y a des gens qui disent, et les Écossais, entre la parole de Dieu, et puis les Écossais, qui était au commencement, au commencement était la parole, si les Écossais, les hommes Écossais, portent des jupes, ils vont aller en enfer, la parole de Dieu, ma soeur, le collant là, c'est pour l'homme, c'est pas pour la femme, la culotte, c'est pour l'homme, c'est pas pour la femme, voilà pourquoi, dans les années reculées, quand il y a palabre, entre monsieur et madame, l'homme, il brandit son autorité, il dit, c'est moi qui porte la culotte, mais aujourd'hui, à cause d'une soi-disant émancipation, l'émancipation de la femme, Les femmes aujourd'hui. Elle dit ce que l'homme peut faire, moi aussi je peux faire. Comment tu peux dire ça? D'accord, l'homme, lui, il y a quelque chose qui sort de sa veste, il joue. Il fait ça quoi, toi, frère? Toi, c'est faux. Ce que l'homme peut faire, il peut faire. Frère. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Donc toi, femme, tu n'as pas le droit de porter les culottes. Tu n'as pas le droit de porter les pantalons. Tu n'as pas ce droit. Tu n'as pas ce droit. Toi, femme, homme de Dieu, vas-y, lis-nous la parole de Dieu. Parce qu'elles vont penser que, on a fabriqué cela. Si tu n'es pas convaincu, arrive chez toi, prends ta Bible. Deutéronome 22, verset 5. Homme de Dieu, vas-y, une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Bien-aimé, je te demande. Ça veut dire quoi? Abomination, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te donner une traduction. Simple. Ça veut dire que tu es maudit. Ça veut dire en réalité c'est la malédiction. Donc chaque fois que tu portes un pantalon, chaque fois que tu mets un pantalon, tu attires la malédiction sur toi. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Si tu arrives chez toi, il faut lire. J'attire la malédiction sur toi. À cause de toi. Junior. Que tu dis que tu aimes. Garçon. Que tu dis que tu aimes. Elle est maudite. Parce que. Quand on prend le livre d'Exode. Quand on prend le livre d'Exode 20, à partir du verset 3, regarde ce que la parole de Dieu dit. Vas-y. Il n'y aura pas de Dieu devant ma face. Amen. Oui. Continue. Allons. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, mais qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te porteras point devant elle. Tu ne la serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Vas-y, homme de Dieu. Tu punis l'iniquité de ta père. Sur les enfants. Jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Et la quatrième génération. De ceux qui me haïssent. Amen. Tu vois ce que tu fais. Femme,
femme en voulant être émancipée. Mais c'est la fausse émancipation. En voulant te mettre à dos la parole de Dieu toi-même tu attires la malédiction sur toi première génération tu attires la malédiction sur tes enfants deuxième génération tu attires la malédiction sur tes petits enfants troisième génération sur tes arrière petits enfants Quatrième génération. Tu vois, c'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Je t'exhorte. Je sais que tu ne savais même pas. Tu vas me dire. Oui. La femme du pasteur. Un porte-pantalon. Oui. J'ai vu. Une prophétesse. Qui parle. Qui parle bien. Un porte-pantalon. Un porte-pantalon. Donc moi aussi. Bien aimé. La parole de Dieu. Elle ne va jamais changer. Elle ne changera pas. Quand tu prends le livre de Jean 1. Oui. 1. Verset 1. Au commencement. Était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien aimé. Ce n'est pas nous. Qui allons changer la parole. Ce n'est pas parce que. C'est une tradition. Que toi aussi. Tu vas commencer. À mettre en pratique. Cette tradition. Oui. Tu vas me dire. À l'école, on m'oblige à porter pantalon. Bien aimé, tu sais, ta vie, vaut plus que tes diplômes. Je vais te rappeler. Christ est mort. À la croix. Pourquoi? Je te pose la question. Christ est mort. À la croix. Pourquoi? Je te pose la question. C'est pour que. Tu es la vie. Pour que. Tu es la vie éternelle. Élie, qui est Dieu. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. De sa royauté. Pour mourir à la croix pour toi. Alors, Jésus n'est pas mort. Pour tes diplômes. Il sait. Que tu as besoin. De formation. Habille-toi correctement. Habille-toi comme une femme. Pour aller à l'école. Habille-toi comme une femme. Pour aller à l'école. Sinon. Tu attires la malédiction sur toi. Oui. Tu vas dire que tu es chrétien. Je te rappelle quelque chose. Jésus te dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu dis que tu aimes Jésus, si tu dis que tu es son disciple, tu vas garder ses commandements. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Quand on te rappelle la parole de Dieu, quand on te rappelle les saintes écritures, tu raisonnes. Je t'en supplie. Nous sommes venus ce soir. Pour t'exhorter. Nous sommes venus ce soir. Pour te rappeler. Que Jésus t'aime. Il est mort. À la croix. Pour toi. Pour que. Tu aies la vie. Bien aimé. Ton âme. A du prix. Aux yeux de Jésus. Ton âme a du prix. Aux yeux de Jésus. De Jésus, c'est pour cela. Il est venu. Mourir sur la croix. Pour toi. Bien aimé. Je vais te parler encore. Je vais te parler encore. Je vais te parler encore.
de quelque chose. C'est vrai. Les hommes de Dieu, ils t'ont déjà parlé. Tu as fait comme. Tu n'as pas entendu. Bien aimé, je vais te parler. Du football. Tu vas me dire. Homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de mal à suivre un match de football? Je te repose la question. Est-ce que le football glorifie Jésus? Je te pose la question. Est-ce que le football glorifie Jésus? Je te donne une parole. Matthieu 12. Verset 30. Le Seigneur Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi, est contre moi. Je t'ai posé une question. Je réponds à cette question. Je sais que le football ne glorifie pas Jésus. Alors, comme je suis enfant de Dieu, comme je suis disciple de Jésus, il m'a dit tout à l'heure, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais toi, tu dis, tu es chrétien. Je parle à toi. Tu te dis chrétien. Je ne parle pas aux autres. J'ai pas de problème avec eux. Mais je te parle à toi. Toi, tu dis. Tu as accepté Christ. Regarde. Quand je prends le livre d'Exode, viens. Au verset 12. Deux. Le Seigneur Jésus nous dit. Tu aimeras ton Seigneur. Tu aimeras ton Dieu. De toute ta force. Homme de Dieu, vas-y. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Attends, homme de Dieu. Jésus dit, c'est lui qui t'a béni. Il t'a fait sortir de la servitude. L'Égypte, c'est cela. Avant, tu ne le connaissais pas. Maintenant, tu le connais. Donc, il t'a fait sortir d'Égypte. Alors, tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, ils sont encore en Égypte. Amen. Ils sont encore dans la captivité. Mes frères, ne vous fâchez pas, mais c'est la vérité. Je dois vous dire ça. Vas-y, homme de Dieu. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, homme de Dieu. Toi tu dis, tu es chrétien. Regarde. Depuis ce matin, tu t'es levé. Tu as prié combien de temps? Je te pose la question. Faut pas mentir. Tu n'as même pas prié 15 minutes. Tu n'as même pas prié 15 minutes. Avec ça, tu dis que tu es chrétien. Bien aimé, est-ce que tu sais qu'il y a d'autres personnes qui ne se sont pas réveillées ce matin. Si toi, tu t'es réveillé ce matin, c'est une grâce de Jésus-Christ. Au moins, tu peux lui dire merci. Au moins, tu peux élever la voix. Lui dit merci. Mais toi, tu dis que tu es chrétien. Regarde. Le nombre d'heures que tu passes devant la télé pour regarder un match. Regarde le nombre d'heures que tu passes devant la télé pour regarder un match. 90 minutes. Une heure trente. Bien aimé, c'est une heure trente là. Regarde. Je te rappelle un verset. Jésus 1. Verset 8. La parole déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement.
à ce qui est écrit. À ce qui est écrit. C'est en cela. C'est en cela que tu réussiras. Que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. C'est en cela. C'est en cela que tu seras béni. Que tu seras béni. Mais regarde. Mais regarde. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Et tu passes 1h30. Oh, tu passes 1h30 devant la télé. Devant la télé. Pourtant, tu n'as même pas prié 15 minutes. Tu n'as même pas prié pendant 15 minutes. Tu n'as même pas prié pendant 15 minutes. Tu n'as même pas prié pendant 15 minutes. Bien-aimé, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Toi et moi, la parole de Dieu lui dit. La parole de Dieu lui dit. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Ne nous enseigne-t-elle pas? Regarde. Quand tu dis que tu aimes Adjoint, regarde, quand tu dis que tu aimes Adjoint, quand tu dis que tu aimes Ferima, quand tu dis que tu aimes Ferima, quand tu dis que tu aimes Kone, quand tu dis que tu aimes Kone, tu aimes passer du temps avec lui. Tu aimes passer du temps avec lui. Tu aimes passer du temps avec elle. Tu aimes passer du temps avec elle. Mais toi tu dis, tu aimes Jésus. Tu aimes Jésus. Mais tu passes ton temps où? Mais tu passes ton temps où? Tu passes ton temps où? Tu passes ton temps où? Devant la télé. Devant la télé. Devant un match. Devant un match. Bien aimé. Je suis désolé de te dire. Je suis désolé de te dire. Tu n'aimes pas Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Parce que si tu l'aimais, tu allais écouter. Tu allais éviter. Tu allais éviter. Tu allais éviter. De mettre quelque chose d'autre. De mettre quelque chose d'autre. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Parce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir. Tu ne peux pas servir. Le Dieu football. Le Dieu football. Et le Dieu Jésus. Et le Dieu Jésus. Tu ne peux pas servir. Tu ne peux pas servir. Le Dieu football. Le Dieu football. Et le Dieu Jésus. Et le Dieu Jésus. Bien aimé. Faut pas, ça va te faire mal. Faut pas, ça va te faire mal. Je ne suis pas là pour t'insulter. Je ne suis pas là pour t'insulter. Si ça te fait mal. Si ça te fait mal. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu dis que tu aimes Jésus. Tu dis que tu aimes Jésus. Et pourtant. Oh putain. Tu ne passes pas du temps avec lui. Tu ne passes pas du temps avec lui. C'est quel amour ça? C'est quel amour ça? C'est quel amour ça? C'est quel amour ça? Il faut me dire toi-même. Il faut me dire. Tu aimes le football. Tu aimes le football. C'est ce pourquoi. Tu peux payer ton transport. Tu peux payer ton transport. Être dans embouteillage. Pendant 4 heures. Aller t'asseoir. Pour regarder. Bien aimé. Tout ce temps-là. Si tu avais médité ta Bible. Les pasteurs corrompus n'allaient pas venir te raconter les choses. Parce que, tu sais pourquoi tu tombes toujours dans le piège. Parce que tu lis pas ta Bible. Ce que je suis en train de dire. Si tu penses que c'est faux, prends ta Bible. Fais comme les chrétiens de Péré. Lis ta Bible. Et ensuite tu viens. On va discuter. Les hommes de Dieu sont là. Ils veulent t'expliquer. N'aie pas honte. Si tu ne comprends pas. Les hommes de Dieu sont derrière. Viens poser des questions. Ils vont te répondre. Bien-aimé. Regarde encore. Je suis toujours avec le fou. Ce tournoi-là. C'est pourquoi? C'est pour avoir une coupe. Corruptible. Une coupe. Après, il n'aura plus de valeur. Bien aimé. L'apôtre Paul te dit. 1 Corinthiens 9:25. Vas-y, homme de Dieu. Tous ceux qui combattent. S'impose toute espèce d'abstinence et une fois pour obtenir une couronne
Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne. Mais nous qui sommes chrétiens, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. C'est-à-dire la vie éternelle. C'est-à-dire la vie éternelle. Bien-aimé. En tant que disciple de Christ. En tant que disciple de Jésus. En tant que amoureux de Jésus. Tu dois l'aimer lui seul. C'est un Dieu jaloux. Tu as entendu. Exode 20. Verset 3. Jésus. Est un Dieu jaloux. Il ne supporte pas. Que tu mettes le football à sa place. Il ne supporte pas. Que tu mets le football à sa place. Il veut que. Tu l'aimes lui seul. Amen. Regarde. Toi femme. Tu n'aimes pas. Que ton mari. Est un deuxième bureau. C'est normal. Mais quand toi, tu regardes le football, et tu mets le football à la place de Jésus, tu mets le football à la place de Jésus, bien aimé, Jésus est jaloux. Et il te dit, je punis l'iniquité, de père, jusqu'à la troisième, jusqu'à la quatrième génération. Bien aimé, un pasteur au football, suivez mon regard, bien aimé, tu es en train de te maudire toi-même, après tu vas dire, Que mes choses ne marchent pas. Mais bien aimé, j'ai ouvert la porte au diable. Regarde. Le Seigneur Jésus te dit. Matthieu 12, verset 30. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Tu es contre Jésus sans le savoir. Est-ce que tu le sais? Tu es contre Jésus sans le savoir. Ce soir. Tu es de passage. Je n'ai pas fortuit. Ton passage ici. N'est pas gratuit. Jésus voulait te parler. Jésus voulait te dire. Mon fils. Ce que tu fais. La 1h30. Que tu passes devant la télé. Pour adorer. Le Dieu football. Ça ne me glorifie pas. Tu es un idolâtre. Quand tu le fais. Tu es avec l'ennemi. Et puis. Après. Tu vas dire. Devenu tes bénis. Mais mon fils. Tu n'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Alors pourquoi tu veux que j'intervienne dans ta vie? Pourquoi tu veux que j'intervienne dans ta vie? Jésus est un Dieu de sainteté. Tu peux pas ouvrir la porte à l'ennemi. En te consacrant au football. Regarde la ferveur. Regarde la ferveur. Tu achètes des maillots. Tu fais des coiffures. Tu mets des peintures sur ton visage. Je te pose la question. Est-ce que ça glorifie Jésus? C'est la seule question que je te pose. Est-ce que ça glorifie Jésus? Non. Homme de Dieu. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 14, si je ne me trompe pas. Après cela. Est-ce que ça glorifie Jésus? 1 Corinthiens 6, verset 14. Tu vas dire, c'est la mode. Homme de Dieu.
Vas-y. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Avec les infidèles. Attends. Jésus te dit. Et ils ne savent pas. Mais toi tu sais. Que Jésus est Dieu jaloux. Ne vous mettez pas. Avec les infidèles. Jésus. Un jour étranger. Par. Quel rapport? Y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Attends, homme de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre la justice, c'est Jésus, et l'iniquité? Continue, homme de Dieu. Quel rapport? Oui. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et la ténèbre? La lumière et les ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre Jésus et Bélial? Entre le football et Jésus. Pour quelle part? À le fidèle avec l'infidèle. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu? Y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Homme de Dieu. Amen. Regarde. Tu es le temple de Dieu. Quand on prend le livre de 1 Corinthiens 6 à partir du verset 16, le Seigneur Jésus te dit. Ton corps est le temple de Dieu. Mais regarde. Ce temple-là. Tu le consacres à une idole. C'est grave. Béni de Jésus. Je te parle. C'est grave. Ressaisis-toi. Il n'est pas encore tard. La parole de Dieu nous dit. Hébreux 9. Verset 27. Il a donné un homme. De mourir une seule fois. Après quoi? Vient le jugement. Bien aimé. Ce soir. Si tu meurs. Tu ne verras pas Jésus. Ce soir. Si tu meurs. Tu ne verras pas Jésus. Pourquoi? Tu vas dire mais. Dieu. Je paye ma dîme. Dieu. Je vais à l'église. Chaque dimanche. Regarde. Je suis le bon petit du pasteur. C'est moi qui fais ses courses. Le Seigneur Jésus va te dire. Loin de moi. Arrière de moi. Ouvrier d'iniquité. Ça veut dire. Arrière de moi. Toi qui aimes le football. Arrière de moi. Toi qui aimes le football. Je t'envoie mon serviteur. Le 16 janvier. À la gare. À la gare. Je te dis. Je ne suis pas ton saint. Tu l'as insulté. Tu l'as vilipendé. Tu as dit. Ce monsieur-là, il n'a rien à faire. Mais je vais te dire. Si tu meurs ce soir, je vais te faire une révélation. Le diable, il va t'emmener la vidéo de l'homme de Dieu. Qui est en train de te dire que le football, c'est pas pour toi qui es chrétien. Le football, ce n'est pas pour toi qui es chrétien. Parce que quand tu le fais, tu mets le football à la place de Jésus. C'est aussi simple que ça. Bien aimé, je suis pas là pour te juger. Moi aussi j'étais comme toi. Moi aussi j'étais comme toi. Je te donne 6 verset 5.
Vas-y, entre toi. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. De toute ta force. Et de toute ta force. Mais toi, tu aimes le football. Mais toi, tu aimes le football. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. De tout ton esprit. De tout ton esprit. Et puis avec ça. Et puis avec ça. Tu veux voir Jésus. Tu veux voir Jésus. Avec ça. Avec ça. Tu veux voir Dieu. Tu veux voir Dieu. Avec ça. Avec ça. Tu veux voir Jésus. Tu veux voir Jésus. Mettez le message que. Mettez le message que. Jésus. Jésus est un Dieu saint. 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 Hébreux 12, 14. Okay. Hébreux 12, 14. Jésus est un Dieu saint. Est un Dieu saint. Alors. Si tu fais les choses, si tu fais les choses qui ne vont pas dans son sens, au lieu de verset 14, vas-y, homme de Dieu. Recherchez la paix. Recherchez la paix. Avec tous. Avec tous. Et la sanctification. Attends. Et la sanctification. Bien-aimé. Bien-aimé. Si tu ne te sanctifies pas. 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 Si tu ne pries pas Jésus. Si tu ne pries pas Jésus. Si tu passes ton temps devant le football. 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 Regarde ce qui va t'arriver. Regarde ce qui va t'arriver. Vas-y, homme de Dieu. Sans laquelle. Sans laquelle. Personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Amen. Regarde. Regarde. Je continue un peu. Je continue un peu. Ce soir. Ce soir. Je rappelle encore. Je rappelle encore. Toi qui es assis, tu m'écoutes. Toi qui es assis, tu m'écoutes. Et puis tu es fâché. Et puis tu es fâché. Je te demande pardon. Je te demande pardon. L'objectif. L'objectif. C'est que tu comprennes la vérité. C'est que tu comprennes la vérité. Parce que. Parce que. Le livre. Le livre. Deuxième 6, verset 4 nous dit. Deuxième 6, verset 4 nous dit. Mon peuple périt. Mon peuple périt. Par manque de connaissance. Par manque de connaissance. Si tu savais cela. Si tu savais cela. Tu n'allais pas adorer le football. Tu n'allais pas adorer le football. Donc, je suis venu te rappeler cela. Je suis venu te rappeler ce soir. Parce que. Ton pasteur. Ne t'a pas rappelé ça. Ne t'a pas rappelé ça. Toi aussi, tu lis pas ta Bible. Tu lis pas ta Bible. Donc, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Que tu attends le football. Que tu attends le football. Regarde. Regarde. Je te pose encore une question. Je te pose encore une question. Ceux qui pratiquent le football. Ceux qui pratiquent le football. Que tu aimes. Que tu aimes. Tu dis. Toi, tu es fan. Toi, tu es fan. De Ronaldo. Toi tu es fan. Toi tu es fan. De Messi. Toi tu es fan. Toi tu es fan. De Pogba. Non, je ne parle même pas de lui-même. Tu es fan. Tu es fan. De Ronaldinho. Il fait l'appassement des gens. Il fait l'appassement des gens. Bien aimé. Je vais te dire. Fan. C'est un diminutif. C'est un diminutif de fanatique. De fanatique. Ça veut dire. On a coupé. Le mot fanatique. Et on a dit fan. Tout ça joli. Ça veut dire. Que tu adores. Un homme. Bien aimé. Je te rappelle. La parole de Dieu nous dit. Maudit soit. Celui qui met sa confiance. Tu mets sa confiance. À un homme. Mais toi. Tu mets ta confiance. À un homme. Et tu dis. Tu es fan. Tu es fan. De Messi. Tu es fan. De X. De Y. Bien aimé. Quand tu le fais. C'est du fanatisme. Ça veut dire quoi? Tu es fanatique. Ça veut dire quoi? Tu attends un homme. On t'a rappelé tout à l'heure. Deutéronome 5, verset 6.
Deutéronome 5 au verset 6. On t'a rappelé tout à l'heure. On t'a rappelé tout à l'heure. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et le Seigneur Jésus te dit. Et le Seigneur Jésus te dit. Je punis l'iniquité des pères. Je punis l'iniquité des pères. Jusqu'à la troisième. Jusqu'à la troisième. Jusqu'à la quatrième. Jusqu'à la quatrième génération. Je savais que. Je savais que. Tu savais pas ça. Tu savais pas ça. C'est pour cela. C'est pour cela. On est venu te rappeler ça. On est venu te rappeler ça. C'est pour cela. C'est pour cela. On est venu te rappeler ça. On est venu te rappeler ça. L'objectif. L'objectif, c'est pas de t'insulter. C'est pas de t'insulter. L'objectif. L'objectif, c'est pas de venir te dire, viens dans mon église. C'est pas de venir te dire, viens dans mon église. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Si tu connais la parole de Jésus. La parole de Jésus. Ça me suffit largement. Ça me suffit largement. Parce que. Tu vas marcher conformément. Tu vas marcher conformément. À sa parole. À sa parole. Et tu vas éviter. Et tu vas éviter. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et après. Tu vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel. C'est ça qui est même chez toi. C'est ça. M'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse. C'est que tu connaisses la vérité. 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 Parce que. Quand tu agis. Comme tu agis. Tu es en train de jouer. Les fanatiques. Les idolâtres. Tu es un idolâtre. Et malheureusement, tu ne verras pas Jésus. Et ça va être ta faute. Ce n'est pas la faute du diable. Non. Ce n'est pas la faute du diable. Non, ce n'est pas la faute du diable. Il n'a rien fait. Il t'a présenté. Et toi, tu as accepté. Il t'a présenté. Et toi, tu as accepté. Ne dis pas que je ne savais pas. Que je ne savais pas. Ne dis pas que je ne savais pas. Que je ne savais pas. Si tu arrives chez toi. Prends. Jérémie 5. Verset 17. La parole de Dieu va te dire. Même si tu ne connais pas la loi. Et que tu désobéis. À la loi. Bien-aimé. Tu es condamné. C'est de la même manière. Que les hommes disent. Dans la loi. Que nul. N'est censé. Ignorer la loi. Le verset 17. Jérémie 5. Ok. Vas-y. Lorsque quelqu'un péchera. En faisant. Sans le savoir. Contre l'un des commandements de l'Éternel. L'idolâtrie. Des choses. Qui ne doivent pas se faire. Il se rendra coupable. Et sera chargé de sa faute. Amen. Lévitique 5, verset 17. Tu as vu, si tu ne savais pas, que passer une heure de temps, une heure trente, devant la télé, avec toute ton énergie, quand on marque, tu cries, waouh, on dirait fou. Bien aimé, tu es en train d'adorer le football, comme ça. Tu deviens un idolâtre. Malheureusement. Tu deviens un idolâtre. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Repens-toi. Si nous sommes là ce soir, c'est pas pour te condamner. Parce que. On était comme toi aussi. Moi là. Je partais au stade. Au Félicia. Mais quand Jésus m'a affranchi, j'ai laissé tomber tout cela. J'ai laissé tomber tout cela. Toi aussi. Parce que tu es en vie. Tu peux changer. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Je t'en supplie. Prends la main de Jésus. Attrape la main de Jésus. Et viens à lui.
Viens à lui. Viens à lui. Viens à lui. Viens à lui. Parce que. Parce que. Parce que. Parce que. Si tu ne viens pas. 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 Homme de Dieu. Homme de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 8. On va finir avec ça. 4. On t'a annoncé la parole. On t'a annoncé la parole. On t'a dit que Jésus te tend la main. Que Jésus te tend la main. On t'a dit beaucoup de choses. On t'a dit beaucoup de choses qui sont contraires. Qui sont contraires à la vie de Jésus. À la vie de Jésus. Mais bien aimé. Mais bien aimé. Si tu dis, il y a caillou dans mes oreilles. Il y a caillou dans mes oreilles. Si tu dis, il y a caillou dans mes oreilles. Il y a caillou dans mes oreilles. Et que tu n'écoutes pas. Et que tu n'écoutes pas. Écoute la parole. La parole de Dieu. Au verset 8. 1 Corinthiens 4, verset 8. Celui donc, tu rejettes ces préceptes. Tu rejettes ce qu'on t'a dit, qui est dans la parole de Jésus, dans la parole de Dieu. Ne rejette pas un homme. Ce n'est pas moi que tu rejettes. Mais, Dieu, tu rejettes Dieu. Tu lui as aussi donné son esprit saint. Amen. Je termine avec ça. Le Seigneur Jésus te dit. Je mets devant toi. La mort et la vie. Moi qui suis ton Dieu. Je t'en supplie. Choisis la vie. T'as choisi Jésus. Jésus.